sin his name. Ah! Don't run ballet, run ballet. Mais j'ai payé du pépé. Quand on va pas à l'époque, ça. Et tu es là, tu es fâché. Mais Dieu te met où? Tu sais, rien fait dans ma société. C'est ballet, plan, plan, ballet. J'ai su apprendre quelque chose. C'est à partir de la connaissance du savoir qui est la grandeur. Dieu nous va comprendre. Qu'est-ce que vous avez? C'est ce qu'il a dit aux disciples. Vous avez quoi? Vous voulez les renvoyer, ils n'ont pas à manger. Mais qu'est-ce que vous avez? Moi, j'ai mis du Seigneur, je suis chanteur. J'ai cherché les musiciens, je suis là, mais les là. Qu'est-ce que tu as entendu? Si tu as joué à l'or, j'ai dit ok. Je cherche, je récupère des gens. Mais il y a des choses qui peuvent m'amener, peuvent l'amener vers moi. Qu'est-ce que tu as en toi? Prenez la parole de Dieu. Ne jouez pas. Amen. Allons-y. Nous prenons Osée, chapitre 4, le verset 6. On dit parfois les connaissants, mon peuple périt. Tu péris parce qu'il n'a pas quelque chose en toi. Tu péris parce qu'il n'y a rien. Tout ce qui se fait, c'est que tu peux manger, manger et dormir. Manger et dormir. Amen. Manger, dormir. Il faut apprendre. On ne t'écoute pas parce qu'il n'y a rien en toi. Ça a présenté quoi aux gens? Les visites qui n'ont rien. Mais qu'est-ce que vous avez? Dieu t'en va prendre ça, te donner un poste. Il va prendre ça, te faire avancer. Tu as quoi? Et j'ai rien fait. Dégage, dégage, dégage. Vous savez pas que là, dans la Bénin, le marché d'emploi sera difficile. Avant CP, c'était le diplôme. Mais là, elle a dit CP. Voilà le sultan. Combien de devenu milliardaire? Il explique son histoire. Ça m'épate. On dit comment tu recrutes tes ouvriers? Il dit quand les gens m'envoient leur CV, je regarde, il dit tu veux travailler? Oui, tu as ce diplôme, oui, tu travailles ce soir. Non, comme je ne me suis pas trop apprêté, il dit bon, donc tu viens mardi. Quand tu viens, il n'y a pas de travail. Quand il dit oui, je suis prêt, dis-lui là. Quand on lui dit fais, il va faire. Il est toujours prêt. C'est un bon type. Il dit ah. Comment il a pu jouer ça? Amen. C'est comme ça. Amen. Amen. C'est le secret partout. Donc, c'est la connaissance. Il n'est pas étudié, il n'est pas lu, il n'est pas connecté. Il faut apprendre. Il faut choisir. Il faut savoir la connaissance. C'est ça que la Bible dit parfois les connaissances, mon peuple périt. Même à Dieu, si tu ne connais pas tes droits, c'est la difficile. Au lieu de demander aux connaissances, pas les droits. Moi, je commence à prendre droit. Droit d'étranger, droit civil, c'est ça, non? Pour prendre la loi, dit comme ça, il y a des gens, les matchs qu'on a dans la vie, mais c'est pas que tel show est juste publié, ils s'en fichent. Ils connaissent pas. Ah, ça c'est encore loi, c'est droit. On avait tout dit, on devait prendre une voiture, on a pris un taxi, lui et moi. Et puis on a pris un taxi. Lui et moi, habitant, tout récemment. Le gars est fume. On m'a dit, mais c'est la loi, et puis il dit, j'ai tout laissé dans son taxi. Mais il y a une loi qui a été votée en Côte d'Ivoire, on dit qu'on ne va plus fumer en première ligne publique. Et on va lui les fâcher. Tu dis, mais est-ce que nous on peut te mettre en prison pour ça? Et il y a un moment, ma propre voiture, hein, puisque c'est dans sa propre voiture. Il jouait l'ignorance. Et tout c'est la voiture. Pourquoi il y a une loi qui dit si tu fumes, moi je te convoque maintenant.
Donc, je suis bête. Comment le moins dans sa voiture, il filme, pourquoi c'est moi qui l'ai convoqué, puis il va me mettre en prison. Pourquoi? Mais la loi dit qu'on ne doit pas filmer en lieu public. Soit il fait un accident, il va filmer, à filmer, il peut me mettre en prison. Pourquoi? Il y a des choses qu'on a besoin de connaître, la connaissance. Donc recherchez la connaissance. Recherchez la connaissance. Amen. Amen. Donc, osez dire ma foi de connaissance, mon pays. Mais si tu ne connais pas du pays, tout ce qu'il faut apprendre, il faut chercher à connaître des choses. La grandeur viendra là, à partir de la connaissance. Amen. Amen. Moi, quand je vais employer les gens, même, je demande tu as quel niveau, tu as quel niveau. Tu vas venir, tu vas se bien. Non, je sais prier. Je sais parler en langue. Je sais chasser les démons. Tu n'as pas besoin de chasser les démons là. J'ai besoin des gens qui ont un niveau BTS, qui peuvent faire ce qui est ailleurs. C'est pas un diplôme, chasser les démons. De l'administration. Si je veux avoir quelqu'un, c'est bien qu'il maîtrise le secrétariat, un comptable. La personne a cette connaissance. Elle peut bien gérer ça. Moi, je ne connais pas. Vous comprenez? Je dois apprendre des choses. Je cherche à apprendre. Je dois faire quoi? Je dois apprendre quoi? Il faut qu'il y ait quelque chose à apprendre. Je dois être mieux dans la chose. C'est ça aussi. Vous êtes là, non? Vous voyez la vie comme ça? La vie n'est pas faite d'improvisation. Mais une ville comme ça, Dieu va descendre du ciel pour dire ma vie, tu souffres. Oh. Ouais, va faire bureau, va écrire. Pourquoi Dieu comme ça? Qu'est-ce que tu as? On dit amen? Amen. On a déjà chicoté les démons. Hein? Donc, après des noms, les démons sont en train de m'attaquer, ils m'attaquent. On a déjà réglé le problème. Mais si après ils m'attaquent, ils m'attaquent. Mais si tu attaques, attaque-le, attaque-le, attaque-le. Attaque ceux qui m'attaquent. Moi, tu m'attaques et t'attaques. Tu m'attaques et t'attaques. Tu es tranquille, je suis tranquille. Tu attaques et t'attaques. Les démons attaquent, moi, et t'attaquent. Tu me laisses tranquille, je te laisse tranquille. Tu m'attaques et t'attaques. C'est normal que tu m'attaques parce que tu sais que je suis bon. Amen. Amen. On dit amen. Amen. Quand vous allez manger dans une cour, hein, il va commencer à avoir des mains bien mûres. Et d'abord, on va dans cette pierre. Vous allez voir. Plein de cailloux dans ces étoiles. Voilà, voilà. Il y a quoi? C'est un mangue là. Tu peux plus faire sieste. C'est comme ça que tu es. Dis amen. Amen. C'est comme ça que tu es. La connaissance. Dis amen. Amen. Nous prenons Proverbe, le chapitre 2, le verset 10. Proverbe, chapitre 2, le verset 10. Voilà, ça dirait, on a un bel convoi, on chasse, on attaque sorcier. Je veux que ça soit sorcier. Je veux que ça soit sorcier, mais. C'est ce que tu avais dit là. Sorcier, il va mourir. Je suis appelé à la grande, je vais être grand. Mais sorcier, on les a banalisés. Amen. On les a déjà détruits. Je vais devenir grand. Dieu t'appelle à la grandeur. Amen. Dis amen. Amen. On va le chapitre 2, le verset 10. Nous sommes un culte, un dimanche. La prédication du dimanche est différente des programmes de veille. Il faudrait que vous ayez de la connaissance. Qu'on vous communique quelque chose. Il va déclencher une bénédiction. Parce que la foi vient de ce qu'on attend et de ce qu'on attend de la parole de Dieu. Allons-y. Quand la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance sera la délice de ton âme. Et la connaissance sera la délice de ton âme. Amen. C'est à partir de la connaissance que tu vas bien manger, ton âme sera réjouie. Tu as quoi en toi pour que ton âme se réjouisse? Rien. C'est la connaissance qui doit régir ton âme. Tu as quoi? Tu sais rien. Tu as quel niveau? Je ne sais même pas faire ce qui n'est pas fréquenté. Mais tu peux aller apprendre au téléphone ou bien. Mon chauffeur, il ne sait pas. Il a demandé à quel niveau il dit, n'aime pas faire cette paix. Mais comme il s'est conduit, allons-y. Hein? Mais tu peux marcher comme ça pour aller devant, pourquoi? Lui, il est mon chauffeur, je le considère. Il est chauffeur. Tu n'as pas versé bien. Mais tu peux apprendre autre chose. Il faut qu'il y ait quelque chose en toi. Amen. Amen. Mais toi-même, rends-toi utile. Vous comprenez? Rends-toi utile au moins en apprenant quelque chose.
vécu dans les foyers pour manger, dormir, aller au marché, faire fourneau, sans graines, brou, 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 brou. On mange, foutu, brou, brou. Apprenez quelque chose. Amen. Amen. Non, mon mari est fâché, il a demandé l'argent. Si tu demandes l'argent, je c'est fâché pour l'aider. Apprends quelque chose, fais quelque chose. Mon mari ne me donne pas l'argent. Toi, tu vas se donner l'argent et tu as ton mari pour l'aider. Manger, dormir, manger, dormir. La connaissance. Cherchons à apprendre quelque chose. Amen. Amen. Moi, tellement que j'ai envie d'être grand. Je sais que le principe, c'est la connaissance, avoir les choses dans la tête. Amen. Si tu n'as rien, c'est la difficile. On te parle de quelque chose que tu connais pas. Il y a des gens, même quand ils disent ordinateur, ça va ordinateur. Il a peur de toucher, mais de tout faire voir. Vous savez pas qu'aujourd'hui, là, sans l'informatique, là, vous ne pouvez pas avancer. Vos portables, vous avez là, vous savez pas que c'est ordinateur. C'est ce qu'il explique aux gens. Si vous voulez connaître ordinateur, vous touchez portable. Si tu as touché portable, tu peux toucher ordinateur. Demande-là. C'est la même fonction. Qui n'a pas un portable? Même bien un portable, elle touche. C'est un portable, non? Tout le monde. Il y a un portable partout. Ordinateur. Où est-ce Internet? C'est pas prendre, c'est pas parler avec eux. Internet, c'est pas péché. Moi, j'apprends sur le net. Je continue d'apprendre. Je veux être grand. C'est à partir de la connaissance. L'apôtre Paul a reçu son ministère parce que c'est un homme très instruit. Très intellectuel. Yes. Vous savez que Dieu l'a puissamment utilisé. Et quand vous lisez les écrits de l'apôtre Paul, ça vous amène à comprendre que c'est un intellectuel celui-ci. Amen. 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 On dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Un culte, hein? C'est différent de. Oh, c'est moi, les sanctifiés, j'ai parlé. C'est différent de ça. Une minute, c'est bon. Je vais faire quelque chose, une minute. Amen. Dis à quelqu'un te bénir, dis à quelqu'un te bénir. Dis à quelqu'un te bénir. Frère, il faut que Dieu fasse de nous des hommes puissants. Amen. Puissants. Je vous donne le secret. Quand vous levez le matin de vos lits, avant de vous mettre les deux pieds à terre, parlez à vos vies. Amen. Ce que tu veux être là, c'est dans ta bouche. Et Dieu n'a rien fait sans la parole. Il ne fera rien sans la parole. Au commencement, il était là. Parole. Et la Bible dit que la vie et la mort se trouvent au bout de vos lèvres. Et la parole de Dieu s'est. Donc, quand je descends de lui, je sème ma parole. Je sème. Je parle à ma vie. Tout dépend de toi. Quand Jésus dit, je voulais donner le pouvoir. Quelqu'un dit, t'a donné quelque chose. Il va venir faire ça à ta place. Et donc, comment on peut appeler les données? Il y a des gens qui disent, Seigneur, viens. Viens. Viens, oh, Jésus, c'est bien. Oh, oh. Ça veut dire que tu ne sais pas qui tu es dans Jésus. Seigneur n'a pas venu. Et c'est qui t'a donné? Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Il t'a donné quelque chose. C'est à toi de prendre le pouvoir de faire ce qu'il t'a envie de faire avec ça. Tu as un revolver, on lève bien. Tu dis, allô, police, viens. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui est important en toi. Dieu t'a donné son pouvoir. Quand tu descends du lit, il faut commencer à parler à ta vie. Tu dois dire l'année prochaine, je dois me marier. C'est une obligation. Parce que la Bible dit que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. L'année quand il est fait, je suis seul. Mais je suis occupé. Je suis seul, mais occupé. Mais comment mon français? Alors, comprends mon français. Amen. Tu comprends bien mon français. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Oh Seigneur, je suis seul. Il te dit, mais tu es occupé. Seigneur, je suis seul. Mais le Seigneur dit, mais tu es occupé. Que Dieu nous aide. Tout dépend de toi. Il n'y a qu'à venir.
Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Ça va être mauvais penser. Amen. Amen. Tu te lèves matin et tu dis, chérie, je t'aime. Sauf ce qu'elle va faire pour toi à midi. Sauf ce qu'elle va faire pour toi à midi. Elle va ramasser le poisson thon, crabe, viande, poulet. Vous venez dire, je t'aime. C'est pas bon d'être seul. Et ça, c'est clair. Amen. Amen. Ça déséquilibre l'homme comme la femme. C'est quand on n'a pas l'argent, ça donne des mauvaises pensées. Amen. Amen. C'est des choses que Dieu va voir pour rentrer dans la grâce et la bénédiction. Donc quand vous descendez parler, tout dépend de vous. C'est pas une question de prière. Vous voulez voyez prier partout. Semez la parole dans vous. Dis-toi que je suis. Toi, tu dis je suis fort. C'est une question de temps. Et moi, je ne vais jamais mourir pour vous. Amen. Amen. Monsieur. Monsieur. Bonjour. 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 Vous êtes venu ici? Hein? C'est pourquoi? La délivrance. Ah, tu veux continuer de faire. Tu veux être délivré? De quoi? Du mal que j'ai fait. Ça parle de nom. La sorcellerie. Ah, ouais, tu viens bien parler, tiens, parler. Quelque chose doit dire sorcellerie, tu parles des mal que j'ai fait. Qu'est-ce que tu as fait? Sorcellerie, des mal que j'ai fait. Tu viens parler. Hein? Donc tu vas parler sorcellerie. Hein? Tu es sûr? Que j'ai fait dedans. Hein? Le mal que j'ai fait dedans, je vais le dire. Mais tu es de quoi d'aller parler? C'est ce que tu as fait, tu vas parler. Combien? Oui. Hein? C'est ce que j'ai fait que je dois parler. Ah, mais tu allais dire quoi? C'est ta dernière chance. Hein? T'as compris? D'accord. Hein? D'accord. Ta dernière chance. Tu sais pourquoi je dis mal? Parce que je sais qui tu es. Vous voyez, quand on vous dit de parler, pas parce que le prophète, c'est pas ce que tu as fait. Moi, je peux te dire, tu as fait ça. Toi, je sais que tu es de A à Z. Comment tu dors? Comment tu fais? Je connais. Donc, pour parler, tu ne parles pas. Tu veux mentir. Tu es venu ici à mentir là. Tu n'as pas voulu prendre ma cou là pour garder. Hein? Mets dans ta boîte de tabac là. Tu n'as pas voulu faire ça? Hein? C'est pas toi qui demande. Tu n'as pas senti dit. Oui. Hein? Tu n'as pas voulu faire ça? Oui. Alors, tu viens ici, le délivreur, tu veux gâter sa maison. Là, tu es fort, c'est ça? C'est ce que tu veux dire. C'est ça que tu prends ton fils, tu le mets comme cannibale dans ton anus. Il a gâté son fils. Moi, je t'ai donné cannibale spirituel. Tu as fait sortir ça. Le purifier. Ça descend. Anis, c'est bizarre là pour sortir. Faut imaginer que l'aide là. Tu n'as pas mouru d'étouffement. Sorcier va te mettre dedans. Tu vas voir quoi c'est la peine. Monsieur, vous pouvez venir. Oh, il est trop bon. C'est mal à quoi là? Je voulais s'appeler ce que tu me dis que moi, je l'ai dit, je voulais le laisser. Quand quelqu'un ne va pas changer, pour le laisser. Mais je vais vous laisser. Ici, là, c'est pas forcé. Comment moi, il t'envoie ici, t'accepte. Et puis, c'est pour moi, là, tu veux faire entraînement sur ma maison. Toi, tu veux faire entraînement ici. Vous savez, quand je suis à la maison, Dieu me montre beaucoup de choses. Vous savez pas. Hein? Vous êtes prêts à parler? On va parler en s'attendant, hein?
Oh, le micro. Vous êtes venu la dernière fois, vous avez voulu prendre le sang deux fois pour mettre ça dans votre boîte de tabac. C'était pourquoi? Vous avez chassé. J'ai eu honte. Hein? J'ai voulu faire des sorte que vraiment vous voyez ma force, vous m'acceptez, je suis délivré. Hein? Mais est-ce que tu as pu prendre? Non. Comment tu as fait? Non, explique-moi. Pour que j'étais dans mon tabatière là, et j'ai pris pour tourner la maison pour pouvoir déraciner la maison. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? C'est le Saint-Esprit. Comment? Explique. La porte du Saint-Esprit. Explique-nous trois fois, c'est ta vie quoi? Au moment où j'ai fait l'action, et j'ai voulu maintenant me repositionner, je vois quelqu'un qui arrive. Il est descendu derrière mon trou. Il est tout derrière moi, sa chaude. Et donc, si je ne le retire pas, en tout cas, ça va aller mal pour moi. C'est la force qui est là. C'est pas possible. Tout le monde qui vient sur moi comme ça là, non, il faut que je me mette sous. Et là, je me suis écarté. La contrainte, je n'ai pas fait d'obstacle. Et lui aussi, il m'a pas poursuivi. Il m'a laissé comme ça. Nous sommes sur la haute protection du Saint-Esprit. Alléluia, nous sommes sur la haute protection de Dieu. Ici. Dieu est là. Amen. Faites deux consacrés. Pourquoi tu ne m'as pas dit après? C'est pas la honte. La honte. C'est pas que honte là, ça envoie problème. Tu reconnais ta sorcellerie? Oui. Tu es sorcier? Oui. Qui t'a donné? C'est ma tante. Comment? Partenaire. En ragoût de chez eux, en bouillie de tarot, hein? Avec des nouilles rouges, elle a aménagé ça, elle m'a donné. Hein? Et tu es devenu sorcier? Oui, elle m'a donné. Sur le deuxième bout de l'année, on va avoir toutes choses différentes et des hommes animés. Là, tu as tué? J'ai déjà tué 19. 19 personnes? Oui. Comment tu fais pour tuer les gens? Quand je vais attraper une personne, je prends mon filet de guerre et je le dédie dans ta vie. J'appelle mes amis, on prend un filet, mon filet, en 32 maisons, ou bien dans un lieu où on chasse l'animal. Et quand c'est mettre dans le filet, allez, on se jette sur lui, on le prend et on tue. Après avoir tué, on dépêche. Quand il y a l'animal, le chasseur qui a appelé tes amis, il est obligé de partager la viande dans le coup de chapé. Et maintenant, le reste, tu prépares pour toi aussi. Tu manges d'autres, tu sèches d'autres, parce qu'on ne gagne pas toujours. C'est une fois par an qu'on bouge. 15 fois par an. Pour rester dans notre 15 fois par an. Si, par exemple, nous on essaie dans notre groupe. Si j'ai tué cette année, aussi va tuer l'an prochain. Amani va tuer, c'est comme ça, que tout passe. Enfin, une seule personne ne tue pas toujours. Mais toi, t'envoies souvent gâter les gens. Gâter les gens. Parce que je suis fort. Parce que je suis fort. Alors, c'est un contrat signé. Tu n'as pas pu, tu viens me déléguer. Je suis obligé de. Si je crois que c'est peu. J'accepte, mais je vais gâter. Ton œil là, pourquoi tu as un œil cassé? Pourquoi j'ai eu un œil cassé? C'est-à-dire, quand je suis devenu international, que tout le monde vient à moi, alors j'ai voulu me doubler de force. Alors pourquoi j'ai dit d'aller trouver une vieille qui s'appelle Nda, et la vieille donne moi la force du chat, parce que c'est une autre. Comment dire? Pouvoir. La mec, elle en prend beaucoup de pouvoir. Je dis, là, elle a la voix. Je dis, ah, t'as dit. Donc, les grâces que j'ai maintenant là, ça me permet d'avoir du chat de force pour pouvoir travailler. T'as dit, d'accord.
moi, mon pouvoir, je suis là pour te donner. Tu sais que moi-même, j'ai un œil, non? Donne-moi ton œil. Et, tu comprends? Donc, quel œil? Et donne-moi le chat. Le contraire, j'ai vendu mon œil. Et là, il t'a donné le pouvoir des chats. Et comment le pouvoir des chats, comment ça se manifeste? Le pouvoir du chat, si je suis en vision, c'est une force, mon déplacement, je rentre dedans et j'effectue mon voyage. Et arrivé là-bas maintenant, avec le poil du chat, il y a plusieurs techniques pour faire contre la personne. Et la personne s'immobilise sur moi, je fais l'opération en victoire et j'y arrive. Tu es d'où? Je suis de Iré. Oui. Et ta confrérie se trouve où? Hein? Ta confrérie, ton groupe? Mon groupe se trouve à Yamoussoukro. Un peu à Iré, un peu à Yamoussoukro. Non, Iré? Non, on s'est déplacé pour pouvoir mal faire vers ici. On était ici, on s'est déplacé, on est à Yamoussoukro pour mal pour. Là, quand on nous fait un coup, les gens ne savent pas où vient le coup. Monsieur, le voile, qu'est-ce que ça représente? Le voile, c'est une arme pour moi. Une arme? Oui. Oui. Après ça, j'ai fait le combat. Pas expliqué bien. Après ça, j'ai dit. Merci. C'est mon fusil, mon épée. Pour tirer sur mon voile. Non. De mon épée. Et quand si on est en chasse, ça fait ça. Parce que notre chasse là, c'est la même chose comme la chasse individuelle qu'on fait ici. Pourtant, l'épée là, sur mon voile. Non. J'ai aucun droit. Je ne suis pas venu vous tendre mon épée. Bon, je suis venu sur vous pour m'écarter des épées. Mais tu as essayé sur ma maison ici? Non. Tu voulais prendre ma maison? Oui, j'ai voulu cela, mais c'est pas mettre le fusil. Ah, mais prendre, mais sans et fusil. Bon, mon dernier mal que j'ai jugé pour ma famille. Je ne suis pas arrivé là-bas. D'accord. Je ne suis pas encore arrivé après la famille. Tu gardes le procès des gens, tu gardes la vie des gens, c'est ça? Oui, parce que moi-même, ma vie a été gâtée aussi. Donc, c'est en revanche. Est-ce qu'il y a une raison, vous les sorciers? Est-ce que vous ne gâtez pas quelque chose par la foi, quelque chose? Non. Vous êtes pour rien, vous les gâchez. Moi, les premiers. Il va? Il dit les premiers. Les premiers, là, c'est en revanche. Mais maintenant, quand j'ai été diplômé, mais dis donc, j'étais obligé de suivre le groupe, vous faire ce qu'on nous demande. Mais les gens disent que la sorcellerie n'existe pas. C'est faux. Mon vieux, dans quel village ça n'existe pas? Il n'y a pas dans moi un village, une ville. Tu t'es ici que comment dire la sorcellerie n'existe pas. Ces enfants sont là? On va... Oui, il est là, Mathieu, il est là. Et les deux sont partis. Les deux sont partis. Mais qu'est-ce que tu as gâché? Ce que j'ai gâché? Et d'abord, tellement ils ne me respectent pas, ils m'ont frappé. J'ai pris les deux combattants même, et je les ai mis dans un canari, à l'aide du côté, au champ là-bas, sous un fromager. Entre les racines du fromager. Le confort, c'est ça, non? Le confort, c'est ça, ils ont dit? Hein? Le confort de la fromager. Voilà, le confort. Bon, le dernier aussi, il a fait les mêmes choses. Comme ils ne sont pas du même moment, il ne lui a pas mis. Ensemble avec les deux. La danse a fini. Là, je lui ai pris, j'ai mis dans mon anus. Tu l'as mis où ça? Dans mon anus. Comment ça, frère? Je lui ai pris, et je l'ai changé, comme on dirait, en légumes sauvages là. Et je lui ai mis des dents. Qu'est-ce que tu as dans le légume? Pourquoi il ne connaît pas son nom en français? C'est comment? C'est sous forme de gnagna là, mais plus gros que gnagna. Alors,
On va dire grand droit là, ou bien on entend droit. Quelqu'un qui a parlé? Ouais, dit que ma chine, on a grand droit. On dit ça. Voilà. Bonjour, puis. Et puis là, on a pris les pins. Voilà, après les équipes. Les pins, elles sont là. Non, c'est ce que tu as pris. Voilà. Et tu as fait quoi? Hein? Tu as cru ça? Ok. Hein? J'ai parlé dessus. Et qu'est-ce que tu as dit? Vous voyez qu'ils connaissent le pouvoir de la parole. Ils savent que tout se fait au travers de la parole. Et tu as fait quoi? J'ai parlé sur le fond de l'air. Le président du bail. Et tu as dit quoi? Le micro. J'ai dit qui? Ngaï. Qui? Ngaï. Cette fois. Ça veut dire quoi? Rencontre pas à temps. Le maudit bonhomme. Tu as foutu dans l'us. Tu allais le cacher là-bas. Pas le micro. Oui. Et qu'est-ce que tu as fait encore? Après ça, maintenant pour la famille, notre papa nous a laissé un terrain de 2 km. Plein de l'or. Ils ont décidé une partie et ils ont tout vendu. Plus de vues, il a acheté dans 1800 lots. Quand je demande, bon, comme la ville est à terre maintenant, notre parcelle, qu'est-ce qu'on va faire? On doit aller voir la mairie ou bien voir le chef pour qu'on ait quelqu'un pour lotiser le coin. Chacun prend un nombre de lots qu'il veut et on vend le reste. Celui qui veut construire, il peut construire. Celui qui veut vendre pour lui à retour, il va vendre. Il dit non, les lots sont là, mais il y a un jour, quand la police va venir, ça serait dans l'ensemble entre. Et puis on va faire ce partage. Il dit d'accord. D'accord. Vers le début de l'année, j'attends que voilà, entre les trois. Il m'a pris. Donc, voyez, le chef lui de venir. Je dis d'aller. Fossé de 19h jusqu'à 23h. Comment? Mais pourquoi vous m'avez fait venir? Ça cause où? Vous n'avez pas dit qu'on n'a pas vendu les lots là. Bon, et les orpailleurs que vous avez mis là-bas. Mais si vous prenez. Ils ont mis les orpailleurs là-bas. Oui. 11 millions, 30 millions, 200 000 des voitures, revendre les voitures, des motos, tant, tant, tant. Si vous voyez où je dors aujourd'hui, le poste même est plus mieux que moi. Mais puis je suis sorcier. Voilà. Donc c'est pour vous aussi montrer que je suis sorcier, de pas vous m'abandonner. De pas le reste du terrain, j'ai caché de l'or qui est dedans. Caché tout l'or qui est là-bas. J'ai caché. Pour notre passage, ça reste un peu. Tout le pas, moi, là, il est là. C'était notre père, notre grand-père à travailler, chacun sa parcelle. Donc, parce que moi, ça va être une petite parcelle pendant qu'il faut même plus un hectare. Ils veulent finir ça. Donnez-moi un, ils disent qu'ils ne veulent pas. Les gens, là, vous m'avez dit, donnez là, on va vous me donner rien. Voilà, allez, allez, faire. Il faut écrire le musical, arriver près de commander de l'or, du sable ou du magnan. Du magnan. Oui. Et oui, c'est fini, c'est fini. Il te dévoile, il est sur rien. Il attaque la page. Il dit qu'il est sur. Comment t'as fait? Comment t'as fait? Puis il y a eu Magnan. Comment? Magnan, je ne prends pas moi le sang. Je vois les Magnan vis-à-vis ces Magnan-là. Je les prends. Ils sont aussi sur le terrain. Vous les voyez. Ils n'ont pas de vente, mais ils bouffent un animal. Ils ont une technique. Ils prennent ça. Ils mettent dans le sable. Et ça en est tout là-bas. Tu fais quoi? Tu vas en mettre au terrain. Non, explique, comment tu fais? Hein? Comment tu fais? C'est même chose là. Non, comment tu as pu fermer la selle par selle et puis tu as envoyé Magnan? C'est le Magnan qui voyait. C'est le Magnan qui t'a envoyé sur le terrain. Ouais, quand tu as pris le Magnan vivant. Voilà. C'est ça? Tu t'as envoyé sur le terrain. Voilà. Quand les Magnans sont là, comme mon gardien. C'est le gardien. Ah, ils viennent, ils prennent le tour, ils attendent, ils veulent atteindre de l'ordre. Le Magnan les attend. Voilà, les Magnans. Mais pourtant, tu n'as pas le pouvoir de faire sortir de là et les vendre. Non. Ils m'ont dit, jusqu'à la bonne partie, ils ont fini. Où il reste à ces bonnes parties? Tu n'as pas répondu à ma question. Si tu as la capacité d'envoyer une manière, pourquoi tu ne peux pas faire sortir de l'or et puis aller vendre, t'enrichir, manger?
Non, on ne fait pas cela. Si ils acceptent, moi j'ai accepté, j'ai accepté de les pardonner. Parce que le petit coin là, de la manière des chauffer là. Non. J'ai dit, si toi tu as le pouvoir d'envoyer Maya faire un truc, si moi je n'ai pas le pouvoir, je vais sortir de l'or et puis aller vendre moi. Moi, Dieu m'a pas donné cette force, mon sorcellerie. Non, sorcier, vous gardez son nom. Vous n'avez pas arrangé. Non. Vous gardez. Voilà. Gardez la vie d'être champion. Mais pour vous enrichir là, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas prendre. Non. Ce que personne d'autre fait et il me donne aussi. Donc, par exemple, en gire, avant de commencer là, il veut être porté, il veut être porté, ou bien il veut être avec nous toujours. Je regarde ici, je regarde ici, il n'est pas du vrai ministère. Il dit, ça va toujours prochainement. Et puis, je travaille pour toi, il joue comme année. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux, je veux. La délivrance du Saint-Esprit. Pourquoi tout ce que j'ai détruit et sa puissance revient en nouveau pour que le bonheur de la famille s'écarte et de la manière en vivant s'efface et que la puissance du Saint-Esprit lave ma maison, mes enfants, la santé. Je suis fatigué. Je suis fatigué maintenant. Trop, je n'ai rien vu dedans. Trop, j'ai peur, je n'ai rien vu dedans. Donc, en tout cas, j'ai bien. C'est pourquoi j'ai vu Kojisou Tabo. Tabo dit que je l'ai mis, zéro, je suis arrivé à Iré. C'est pas facile. J'ai entendu parler de vous, mais comme j'ai les genoux malades là, bon, aller à 6 km pour pêcher pour venir, c'est pas tous les jours. Si j'ai eu, moi, ça, 600 francs, 1000 francs. Durant les 2-3 jours, c'est ça que j'ai vu déjà. Pour chercher le transport là-bas, c'est pas facile. Mais si j'ai vu que dans les 2 ans là, je ne vous ai pas rattrapé vite. Mais Dieu merci que je vous ai rattrapé. Voilà. Vous allez vous me chasser 1000 ans, mais je suis toujours avec vous. Je resterai avec vous jusqu'à la fin de ma vie. Parce que peut-être que tu viens de te chasser. Sinon, tout le monde est accepté ici. Il ne faut pas venir mais dans le fond. Si tu viens que je fais semblant d'être avec moi, je vais te chasser. Je marche avec des personnes sincères. Tu es moi, je suis convaincu que tu es moi. Mais tu perds derrière moi, puis je chasse mes nuits. Comme tu es venu, c'est que tu as cherché à prendre la maison. J'ai vu que tu es un élément dangereux. Tu es de l'Est, tu risques de dévorer tout le monde. Non, Dieu vous protège. Il y a un sorcier, quel que soit son pouvoir de la sorcière, il va rentrer dans ce centre-là, il va manger quelqu'un. C'est que Dieu n'est pas Dieu. Le lui sorcier, mais on était ici la dernière fois, hein, il était en train de prêcher, sorcier tombé, seul. Écrit seul, on l'a envoyé le Dieu. Quand je l'ai gagné, il est parti, il m'a dit au revoir. Amen. Toute âme forgée contre toi sera cessée. Amen. Là, c'est moi qui parle, parce que quelqu'un voit ici, là, c'est qu'elle a vu sur YouTube, c'est qu'elle est en train de vivre. Il n'y a pas besoin de dire Jésus t'aime. C'est elle-même qui cherche. Elle me demande, pour parler de la Bible, j'ai ça, je fais comme j'entends rien. Tu vas me pousser, oui, parce que c'est ça. Sans qu'elle ne décide pas de rencontrer ce Jésus, il sera moins difficile de lui présenter Jésus. Elle a une religion. Parce que je connais la religion. Quand il quitte là-bas la persécution, est-ce qu'elle est prête à gérer ça? Elle est venue pour que je prie pour elle. Pas pour qu'il y ait la chance de l'islam. Voilà. Non. Elle sait quoi elle est venue. Et Dieu est puissant. Donc Jésus est puissant. Quoi. Il est fort. Jésus est très fort. Il est fort, il est vainqueur. Comment ça? En toute position, toute condition. Explique-nous. C'est-à-dire. Vous êtes là, un petit sorcier, moyen le père, vous êtes prêt, vous êtes sorcier, grand sorcier de l'Union international. Il a gagné toutes les compétitions. Il n'a pas le championnat, il n'a pas gagné. Oui, allons-y. La question. Mais Jésus est puissant comment? Qu'est-ce que tu as mis dans Jésus? Tu as tenté à plaisir avec lui, Jésus. Tu as tenté? Oui. Tu n'as pas marché? Oui. Et tu as vu sa puissance? Il a vu sa puissance. Tenez-vous de vous allons prier le Seigneur.
Amen. Nous allons nous tenir debout et prier Dieu. J'invite toute la famille à nous rejoindre pour la délivrance, la délivrance. Dis à quelqu'un, Jésus est puissant, dis à quelqu'un. Amen. Amen. Voilà, vous savez, nous démarrons le mois de décembre. Le premier est un lundi, voilà. C'est demain lundi. Tout ça là, c'est prophétique. Le premier est lundi. Et le premier, c'est le lundi, c'est le premier jour de la semaine. Amen. Donc, si nous voulons rentrer dans le système prophétique, il n'est pas que nous jeûnons toute cette semaine. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Est-ce qu'on m'a très bien saisi? Cette semaine est trop prophétique. Le vendredi, c'est le 5. C'est le chiffre de la grâce, le chiffre 5, le chiffre de la grâce. Et le chiffre 6, samedi, c'est le chiffre de l'âme. Parce que la nuit est la transition. Donc cette nuit, n'oubliez pas de poser un acte prophétique cette nuit. À partir de minuit, commencez à parler. Il est déjà 1h, 1h30, commencez à parler. Donc, c'est vrai qu'on l'a fait, mais vous devez commencer à parler à décembre. Parler au mois de décembre, ou dire au mois de décembre, tu dois pas avoir un problème d'endettement. Les choses ne doivent pas venir m'endetter. Décembre, tu ne dois pas m'envoyer des soucis d'argent. Décembre ne va pas m'envoyer accident. Décembre ne va pas m'envoyer. Décembre a des oreilles. Mais si vous ne savez pas, quand vous ne savez pas prier, vous devez vous adresser au moi. Jésus s'adresse au soleil. Et le soleil, arrête-toi si d'abord. Le mois de décembre a des mois, a des oreilles. Décembre a ses problèmes. Décembre a des choses qu'il doit t'envoyer. Amen. Amen. Alors, si c'est les mauvaises choses, il faut commencer à annuler ça. Parce qu'il a dit que tout ce qui te délivre sera délié. On ne parle pas des démons seulement. Vous commencez à libérer le mois de décembre. Vous parlez au mois de décembre. Vous savez que c'est à partir de la nuit. Tout ce qui est retenu la nuit, c'est ce qui se communique dans la journée. Sans la nuit, le jour n'a pas de son sens. Amen. Amen. Ça m'a bien saisi. Donc, on est déjà à partir de minuit. Vous commencez à parler. Vous dites, toi, décembre, moi, je n'ai pas le problème de santé. Je n'ai pas le problème d'argent. Je n'ai pas le problème. Amen. Amen. Mais toi, décembre, tu dois m'envoyer la bonne nouvelle. Amen. Amen. C'est le dernier mois qui crée la transition entre la nouvelle année. Donc, tu dois m'envoyer l'argent. Je dois avoir l'argent pour payer les vêtements des enfants. Je dois avoir telle chose. Je ne dois pas avoir de problème d'argent pour commencer à parler. Dès qu'il est 5h du matin, c'est un acte prophétique. Prenez de l'eau, vous reprenez la même chose, versez ça sur la terre. C'est comme une empreinte. Quand tu viens de parler, quand tu mets ton empreinte digitale, tu mets l'empreinte. C'est comme une empreinte. Prenez Job. C'est tout ça dont vous enseignez les mystères. Prenez Job, il va t'asseoir. Il va t'asseoir. Non, on a besoin de cette semaine. Toi, on va te délivrer chaque jour. Des milliards de démons vont partir. Hein, c'est des légions que tu as dans ton corps. Ce n'est pas les prédits, c'est qu'on appelle cargaison des démons que tu as en toi. Garnison. Garnison plutôt. Des conteneurs, des conteneurs, des conteneurs. Chaque jour, deux conteneurs vont partir. Quelqu'un qui est interplanétaire. Allons-y, Job 38, le verset 12. Depuis que tu existes. Depuis que toi tu existes. As-tu commandé au matin? Est-ce que tu as une fois parlé au matin? As-tu une fois parlé même au mois? Tu as une fois parlé? Tu me dis, non, ce mois-là a été difficile pour moi. Mais qu'est-ce que tu as dit au mois? C'est pas que tu n'as rien dit au mois que c'est devenu un mois difficile pour toi. Vous savez pas que le nom de moi, ça appartient aux esprits. Parce que nous suivons les calendriers, c'est les calendriers romains des gens qui. Vous savez que lundi, mardi, lune, mardi, le mars, la planète Mars. Mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus, samedi, Saturne, dimanche, le Dieu Soleil. Est-ce que vous ne savez pas? C'est le nom des planètes qu'ils ont donné aux gens. Donc ça équivaut à un esprit qui vous suit. Donc un mois équivaut à des esprits. C'est des gens qui ne savent pas Dieu. Vous savez, nos calendriers différents de celui des Juifs. On n'a pas les mêmes calendriers. Vendredi, vous allez attendre beaucoup de choses. Amen. Je vais rentrer dans les mystères. J'ai étudié la Bible plusieurs fois, j'étudie toujours la Bible. J'ai fini par comprendre qu'il y a une différence entre les Juifs et nous.
J'ai commencé à étudier les actions prophétiques avec des rabbins juifs. J'ai compris beaucoup de choses. Amen. Il faut avoir la connaissance. C'est tout. Allons-y. Depuis que toi tu existes, est-ce que tu n'as pas parlé au matin? As-tu montré sa place? Est-ce que tu as montré la place de descendre? Descends, voici tes limites. Amen. Descends, tu viens, voici tes limites. Tu ne dois pas m'envoyer des problèmes. Descends. Tu ne dois pas m'envoyer des problèmes. Tu te lèves à minuit. Oh, bah, descends. Descends. Tu ne dois pas m'envoyer des problèmes d'argent. Je ne dois pas avoir des problèmes d'argent. Descends. Tu ne dois pas avoir un accident. Moi et ma famille, je sécurise toutes mes choses. Parce que j'ai ce pouvoir au nom de Jésus. Et quand on a un pouvoir, on se sert de ce pouvoir pour faire toutes choses. Amen. Parle à descendre. Il y a des choses qui ne vont plus arriver. Parce que Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Et l'héritage, tout ce qui existe appartient à Dieu. Et tu es le propriétaire de cette chose. Parle à descendre. Descends pas dans les bonnes choses. Amen. Les mauvaises choses vont partir. Amen. Tu ne dois pas entendre les vilaines choses. Amen. C'est parce que vous ne parlez pas autant. Vous ne parlez pas. C'est pour ça que les choses vous surprennent. Les choses vont plus vous surprendre. La vie n'est pas faite d'improvisation. Rien. Oui, tout ce qui va t'arriver, ça s'est déjà programmé. Alors, tout ce qui a été programmé, descend. Tout ce qui a été programmé contre moi, négativement contre moi, est déprogrammé dans le nom de Jésus. Amen. Je déprogramme l'accident, la mort, même l'emprisonnement. Prison va venir. Les gens programment prison, il va m'humilier, il va faire la prison, tu m'humilies. Et les choses devaient être déprogrammées. Amen. Maintenant, tu dis descendre. Toi, descendre. Voici ce qui va m'apporter. Tu as déjà semé quelque chose en descendre. Allons-y. Ne jouez pas ce que je viens de dire. Vous négligez tout. Allons. Pour qu'elles saisissent les extrémités de la terre. Qu'elles saisissent les extrémités.